Je ne peux pas donner un seul ordre par ici. Regardez, le Rédempteur à la petite semaine vient à notre secours. Entrez, ô grand sauveur. Excusez ma sœur. Tu ferais une erreur en la sous-estimant. Elle est plus coriace que toi. Vous êtes en vie? Pour faire court, il y avait un fantôme enragé dans votre église. Nous l'avons affronté. Je suis tombé à l'eau. Et Antea est morte. Mes condoléances. Mais un bon chasseur doit savoir reconnaître lorsqu'il est devenu la proie. Vous ne m'avez pas fait venir pour que je vous regarde manger. Qu'est-ce que vous voulez? Kate m'a parlé de votre courage. C'est ça qu'il me faut. J'ai un service à vous demander. C'est à moi que vous voulez demander un service? Pas étonnant que votre sœur fulmine. Kate voudrait que sa peau soit aussi dure que la mienne, mais il suffit pas de le vouloir. Ce n'est pas toujours facile d'être la cadette. Encore moins avec une grande sœur pour chef. Je ne suis pas chef. J'ai toute ma tête, c'est tout. Les autres comptent sur moi. Parlez franchement. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous bannissiez un fantôme qui n'existe pas. Les gens croient aux monstres ici. Leur peur les rend faibles. Tuez la bête, tuez leur peur et rendez-leur leur force. La peur a du bon. Nous n'avons pas grand-chose à vous donner. Mais vous aurez un fusil, de la poudre et des balles. Vous savez que la malédiction est vraie. Pourquoi la bête ne le serait pas? La bête n'est rien. Un ours, un loup, peut-être. C'est un monstre, que pour l'esprit. Pourquoi ne pas la tuer vous-même? Parce qu'une fois la bête tuée par le bannisseur, tout le monde ici croira le monstre mort. C'est dans mes cordes. Je suppose que c'est payé? J'ai les moyens de vous payer, je vous le promets. Nous verrons bien. Je chasserai votre bête, quelle qu'elle soit, si vous répondez à une dernière petite question. Je vous écoute. D'où vient ce nom? Personne n'oserait appeler sa fille Peau dure. Mon nom de naissance importe peu. Pour tout le monde, je suis Peau dure. Ça me va. Quand on s'aventure dans les bois, on ne se sépare jamais de nos mousquets. Et de ça aussi. Sifflez si vous avez besoin d'aide. Et le fusil? Ma sœur peut se passer de son mousquet. Si vous arrivez à lui prendre. Kate en sera ravie. Kate ne va pas aimer. Je sens que ça ne va pas être simple. Tu penses que Kate se laisse dominer par ses émotions? Tu verras comment elle réagira quand tu lui demanderas le mousquet. Quoi? Vous n'avez rien d'autre à faire? Allez-y, délivrez-nous de la bête. Allez faire la sale besogne de ma sœur. Il me faut un mousquet. Peau dure m'a promis le vôtre. Vous pouvez toujours courir. Et elle aussi.
On va s'amuser. Votre sœur ne vous traite pas comme son égale. Ce n'est pas facile d'être la cadette. Je vous arrête tout de suite. Je ne vais pas devenir votre amie, même si on a des intérêts communs. Mon mousquet, c'est ma liberté. Je vais où je veux grâce à lui. Arrêtez votre numéro. Je ne vous le donnerai pas. Sa colère cache de la souffrance. Ça m'étonnerait que tu arrives à l'adoucir. Vous seul pouvez dire ce que vous voulez. Peu importe ce qu'en pense votre sœur. Hélas, je fais beaucoup de choses ici. Mais ma sœur est trop bornée pour le voir. Pour peau dure, seul le courage compte. Les faibles meurent pour que les forts survivent. Elle vous a choisi pour traquer la bête, avec mon mousquet. Ça en dit déjà assez long sur ce qu'elle pense de moi. Je vous le rapporterai. Je vous en donne ma parole. Vous n'arriverez jamais à New Eden sans armes. Vous le savez aussi bien que moi. Je suis désolé. J'aurais préféré qu'il en soit autrement. Moi aussi, l'Écossais. Vous pouvez prendre mon arme. Maintenant, soyez gentil, laissez-moi tranquille. La pierre est un peu usée, mais il tire encore bien. Et contrairement à certains, il est fiable. Je prendrai soin de lui. Et il me le rendra bien. Étrange. Des traces spectrales enveloppent encore la maison. Menons l'enquête. Il y a encore des messages sur le mur. De nouveaux messages. De Thomas Hake. Ou ce qui reste de lui. Reste pas là.
Bouge! Barre-toi de la raide! Je vais m'en sortir. Dégage de là! Dépêche-toi! Ah, ça pique! Pauvre Thomas. J'aurais dû me douter que son spectre resterait ici. En tout cas, il est parti maintenant. Nous jouons tous un rôle, mais le vôtre, Bannissier, est de loin le plus perfide. Huh?
Plus j'apprends à connaître Podure, plus elle me plaît. C'est sa bonté et sa gentillesse naturelle. On pourrait la qualifier d'impitoyable. Tu penses qu'elle fait fausse route ? Oui. On survit en prenant soin les uns des autres. Ça, c'est honorable. Ça y est, vous êtes redescendu de votre arbre ? Oui, et c'est pas grâce à toi. Comment tu t'appelles ? Bilob Skudder, si ça vous intéresse tant. Je vois que vous vous êtes dégoté une arme. C'est Kate qui me l'a donnée. Vous savez que je vais vérifier ça. Et si tu as baissé le pont pour moi ? Si Kate vous a donné son arme, alors j'imagine que vous pouvez passer. Mais je vous le déconseille. Les bois sont dangereux. Seul Podure peut s'y aventurer sans trembler. Podure a une sacrée réputation. C'est mérité ? Si c'est mérité. Sans elle, on serait tous morts de faim. Même sa sœur le sait. Et pourtant, elle se déteste. Tu connais bien Kate ? Si je la connais bien, personne ne connaît bien Kate Newsmith. La faute à un vieux chagrin d'amour. On dit qu'on ne guérit jamais vraiment de son premier chagrin d'amour. Merci de m'avoir consacré du temps, Skudder. Bonne journée. À plus, MacRace. Si vous survivez dans les bois. Derrière Kate, la dure à cuire, se cache une jeune Kate au cœur brisé. Je comprends mieux pourquoi elle est sur la défensive. Peut-être parviendra-t-elle à trouver la paix quand cette histoire sera réglée. Voilà de quoi t'entraîner avec ton nouveau jouet. Je te parie 10 guinées que tu ne disposes. C'était de la chance. C'est vrai que j'ai de la chance. Mais je suis aussi un excellent tireur. L'un n'empêche pas l'autre. Alors, où est-elle, cette fameuse bête ? Probablement au même endroit que les colons disparus. Ce n'est pas encore terminé. Arrête ce spectre avant qu'il ne prenne possession du corps.
assez bas. Sacré glissement de terrain. Pas moyen d'entrer. Ou de sortir. Une mine. Une vieille mine abandonnée. Formidable. Et c'est le seul passage. Cette poutre ne tient vraiment qu'à un fil. Tu vois, c'était facile. Pas si facile quand la cible se défend. Je vais devoir la jouer solo. Pars-toi de là, Red. J'adore les vieux souterrains comme ça. Pas moi. J'ai failli perdre un œil au château de Ouska. C'est toi qui voulais explorer la cave, je te rappelle. Thank you.
Il y a de la lumière devant. Ça me va. Allons-y. Ah. Tu penses que cet endroit est hanté? Je crois que ça pourrait presque me faire plaisir. Ah, on dirait qu'il est coincé. Ils ne retiendront jamais la leçon. Fuck!
On ne devrait pas aller vers la lumière du jour. Pas à le franchir. L'alignement n'est pas parfait. Attention, une possession spectrale. Je ne vais pas le laisser tomber. Je sais. Ah, heureusement que c'est toi qui me bouscule comme ça. Ce n'est pas fini. Ces empreintes sont étranges. Quelque chose est passé par là. Quelque chose d'énorme. Qu'est-ce que c'est sinistre? Si ça continue, il n'y aura bientôt plus un seul loup en Nouvelle-Angleterre. Elle a creusé jusqu'ici pour s'attaquer aux loups. Elle les a tous massacrés. Si c'est l'œuvre de la bête, elle doit être énorme. Si c'est l'œuvre de la bête, ça veut dire qu'elle a une enveloppe charnelle. Même les jeunes n'ont pas survécu. Qu'est-ce qui a pu faire ça ? La vengeance. La vengeance incarnée. Je vois un écho de souvenirs ici. Je ne sais pas quelle créature a massacré les loups,
mais elle s'exprimait avec plusieurs voix à l'unisson. Plusieurs esprits dans un corps possédé. Ça pourrait être un fléau? Oui, c'en est un. Il est puissant et dans une colère noire. Trop proche à mon goût. Quel hurlement. C'est comme si plusieurs âmes hurlaient de concert. Je pensais que les fléaux étaient rares. Tu en as déjà affronté un ? Une fois. Un navire de commerce venant de Bordeaux a coulé lors d'une tempête. Les esclaves qu'il transportait sont revenus sous la forme d'un fléau. Pour le bannir, j'ai préparé 50 livres de poudre bannissante et j'ai tiré avec un canon. Il avait déjà tué le capitaine, la moitié de l'équipage et le propriétaire du navire. Une triste histoire. C'est verrouillé de l'intérieur. Attention, j'en vois un autre. Repose en paix.
Appelle-moi si tu as besoin. Il faut que tu vois ça. Si les feux follets n'étaient pas revenus nous mordre, je serais presque désolé pour ceux qui sont enfermés. Qu'est-ce que font des collés à esprit par ici? Je crois qu'il est temps d'accepter que New Eden est le paradis des démonologues en herbe.
Ça alors, un cadavre, avec des traces de morsures. On dirait que ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Qu'est-ce qui rôde ici? Au travail, bannisseur. Le chemin le plus long et plus sûr, c'est par là que vous devez passer. Pourquoi ne pas venir avec nous? Les plus rapides partent devant. On attendra avec la nourriture et les abris et on continuera tous ensemble. Nicolas vous accompagnera. Il n'y a pas de meilleure gâchette dans nos rangs. T'es d'accord, Doulan? Je ferai de mon mieux, Samuel. Ça va sans dire. Mais si Podur assure que tout ira bien, je la crois. Lorsqu'on s'aventure hors du camp, on utilise ça. Siffle si t'as vraiment besoin d'aide. Elle est étrangement généreuse avec ses sifflets. Ils n'ont pas été bien utiles à ce pauvre bougre. Si c'est Doulan qui était censé protéger le groupe disparu, je n'ose imaginer ce qui leur est arrivé. Plus un groupe est gros, plus il est lent. C'était logique de le diviser. Nous, on laissait jamais les Anglais nous séparer dans les Highlands. On parle de civils. Certains avaient du mal à porter leur propre poids. Oui, sur ça, on est d'accord.
Quelqu'un est passé par ici, il y a peu de temps, visiblement. Ils avaient bien besoin de courage. Ils sont peut-être encore dans les parages. Peut-être. Des papiers, à moitié brûlés. Apparemment, Kate était amoureuse d'une certaine Deborah. Mais elle l'a laissée mourir. La cadette des New Smith a une bien piètre opinion d'elle-même. Elle a dû enfouir profondément ses sentiments.